Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle night routine. Alors aujourd'hui ça va être une petite night routine veille de rentrée. J'en fais généralement une fois ou deux fois par an des night routines, parce que ça change pas vraiment à chaque fois. Là j'ai quelques produits à vous montrer, des petites nouveautés que j'utilisais pas il y a un an, et peut-être des petites choses que je ne faisais pas il y a un an aussi. Donc si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos night routine, je serai de vous le mettre dans le petit i. J'ai fait aussi deux vidéos back to school, fourniture et 10 choses à faire avant la rentrée. Donc j'espère que ça vous plaît. Là on va faire donc une night routine. N'hésitez pas à la regarder en barre d'informations, puisque je vais vous parler de quelques d'un petit truc assez sympathique avec l'aspirateur de la marque Dream que je vous ai présenté dans ma vidéo 10 choses à faire avant la rentrée. Là il y a quelques petites pépites, donc je vais vous en parler un petit peu mieux. Voilà, c'est parti pour la vidéo, je vous laisse la regarder. Alors je commence ma soirée par sortir Birdie. J'essaie de la sortir quand le sol n'est pas trop brûlant, parce que ça abîme énormément les coussinets. Donc on fait notre petite promenade, on rentre et ensuite je me change dans une tenue un peu plus confortable et puis je démarre le ménage. Et oui, je commence à ranger les cartons, secouer les plaids, ranger le canapé. Et aussi je passe l'aspirateur. Alors celui-ci je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos et je suis toujours autant satisfaite. C'est le Dream XR, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Mais voilà comment il se présente. Déjà il est super léger, il est super beau, perso j'adore les couleurs, il fait pas beaucoup de bruit, Bichette il n'a pas peur quand je l'allume. Il a aussi énormément de brosses, ma préférée c'est celle-ci, elle est anti-acarien, donc je la passe sur tout ce qui est canapé ou encore le matelas etc. Et elle enlève hyper bien les poils, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, et pourtant je suis qu'à la puissance 2, il y a aussi une autre puissance, c'est la puissance max, mais franchement la 2 ça suffit. Il y a un autre embout avec des poils, donc je l'utilise pour tout ce qui est meuble, comme ça ça raye pas grâce aux poils de la brosse. Il y a aussi un autre embout similaire mais un peu plus fin pour faire tout ce qui est rainures des fenêtres etc. ou encore les plinthes. Pour le sol, vous avez une brosse en mousse pour tout ce qui est un peu parquet, carrelage, etc. qui est vraiment bien, donc il y a un côté mousse et le côté rouge il est un peu plus dur. Et un autre pour les tapis, donc qui est pas mal pour aspirer les gros trucs aussi comme les morceaux de litière, chose que la brosse en mousse ne peut pas le faire. Donc tout ce qui est litière, c'est vraiment hyper pratique. Donc je fais tout mon appartement et franchement la batterie tient hyper bien. Je crois qu'il me reste 2 barres sur 3 à la fin. Donc pourtant j'ai un 65 m², j'ai beaucoup de poils de chien et ça tient vraiment super bien. D'ailleurs j'ai un code promo pour vous, c'est pour ça dans la vidéo précédente je vous avais dit d'attendre un petit peu. J'ai un code promo pour vous, je vous mettrai en barre d'infos, toutes les infos seront en barre d'infos. Donc du 24 au 29 août seulement, vous pouvez bénéficier du code promo. Je crois que c'est 40% de remise, donc ça vous fait autour de 220 € l'aspirateur, donc c'est vraiment pas cher. Meilleur sur le marché à moins de 250 €. Et en fait, chaque jour, il y a 3 commandes qui seront sélectionnées au hasard et qui seront gratuites. Donc si admettons tu commandes sur le site donc, que je vous mets, donc c'est AliExpress, et bien il y a peut-être ta commande qui va être gratuite, qui va être remboursée. Mais aussi il y a 10 personnes qui seront sélectionnées au hasard pour recevoir un casque Bluetooth Xiaomi R2. Donc Xiaomi c'est une très bonne marque, moi j'ai mon téléphone, mes trottinettes etc. d'une valeur de environ 25 $, donc c'est vraiment super bien. Si vous pouvez gagner des petits cadeaux en faisant une commande pour avoir votre commande gratuite, franchement je serais trop contente. Mais même sans les petits cadeaux, je trouve que l'aspirateur il vaut le coup, il est vraiment pas cher du tout pour tout ce qu'il propose. Il a énormément de brosses, la batterie tient bien, il est joli, il est léger, il est souple, il est vraiment super bien. Vous avez aussi une rallonge pour aspirer les endroits un peu plus galères comme les tiroirs ou entre les meubles. Et bien sûr pour nettoyer, c'est hyper facile quoi. Donc on enlève la brosse, on nettoie et basta, donc c'est hyper pratique. J'aspire aussi comme je vous ai dit les draps à cause des poils sur le lit et tout. Enfin bref, c'est une catastrophe avec Bichette et Birdie, c'est pas possible. Et je mets mes nouveaux draps, donc généralement chaque veille de rentrée je change toujours mes draps et ceux-là viennent de chez Ikea.
Ensuite, je vais arroser mes petites plantes. J'ai un pied de tomate qui est en train de mourir, je vous avoue, mais je tiens bon. Et l'autre pied, il est immense. J'ai deux petites tomates qui sont en train de pousser. Elles sont, je suis trop contente. Puis, j'arrose aussi ma menthe ainsi que toute la terre du bac pour avoir des petites pousses de menthe parce que la menthe se propage énormément dans le bac. D'ailleurs, il y en a une au milieu qui est en train de pousser. C'est trop mignon. Ensuite, mon copain s'occupe des fleurs. Perso, moi, j'aime bien avoir des fleurs sur une table. Je trouve ça trop, trop beau. Donc, il commençait à enlever toutes les fleurs qui étaient un peu mortes, etc. Je range aussi la vaisselle propre pour que ça soit bien rangé pour le lendemain. Je nettoie aussi les poignées de mes meubles. Je fais tout le temps ça avec une lingette désinfectante. Je déteste avoir des traces sur les poignées, ça me dégoûte. Et je prépare ma boisson préférée, donc c'est citronnade avec menthe et sucre de coco. Je vous ai déjà réalisé cette recette dans l'une de mes vidéos, dans un de mes vlogs. Je vous laisserai aller regarder. Et je prépare ma gourde pour demain. Soit je mets du café ou du thé, mais là je mettrai la boisson réalisée précédemment. Donc ça c'est une gourde, une gourde isotherme qui vient de chez Kenty Home. Je vous la conseille pas forcément. Elle coûte très cher pour ce que c'est vraiment. Je pense que c'est du dropshipping. Là on peut voir que l'appart est rangé et ça fait du bien. Ensuite je me prépare à manger. Donc je prends du basilic du jardin pour la mettre dans ma salade. En ce moment je mange beaucoup tout ce qui est avocat, tomate, fromage, maïs, du raisin aussi et puis des nuggets aussi. Je regarde aussi généralement des conneries à la télé, donc là c'était 10 couples parfaits. Je vous avoue, c'est un peu nul, car ils ont choisi que des personnes déjà connues. Donc ça me touche, je préférais avant, c'était des personnes un peu inconnues, qui connaissaient pas trop la télé-réalité. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite vient le moment détente et lavage de cheveux. Donc pour le shampoing, j'utilise celui-ci à l'huile de ricin. Pour l'après-shampoing, j'utilise celui de chez Airburst. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour le visage, j'utilise ce savon lait de chèvre de Pin Up Secret. Il est pas foufou, je l'ai acheté sur Beauté Privée, pas trop cher. J'utilise mais il y a mieux. Ensuite le gommage corps de Sephora qui est vraiment pas mal. Et pour démaquiller, j'utilise l'huile de coco de chez Yazoo. Je vous en ai déjà parlé de cette marque-là. J'avais un code promo, mais je sais plus s'il est... Je pense plus qu'il est applicable. Je sais plus. Et comme ma peau en ce moment, c'est pas trop ça, je décide de mettre un masque pour les yeux de Polar. Je crois que c'était le dernier qui me restait. Je suis trop deg. Ils sont vraiment bien, vraiment super bien. Et en attendant de les laisser poser, donc c'est 15 minutes, et ben je vais manger mon petit McFlurry que mon copain m'a ramené. Puis on passe par l'étape du brossage de cheveux. D'ailleurs ma brosse vient de chez Primark, on me demande souvent, mais elle vient de chez Primark. Je mets ensuite sur ma peau l'huile au tea tree qui permet de purifier la peau. Ensuite soit je mets la crème de nuit Polar, soit je mets la crème de nuit avant. Donc les deux sont vraiment bien, mais Polar c'est plus pour les peaux un peu plus tiraillées, donc en hiver c'est parfait. Si vous avez vraiment des sécheresses etc, Polar c'est vraiment super bien. Et la crème de nuit avant aussi elle est très très bien, je l'ai acheté sur Beauté Privée, l'achetez pas sur le site de avant parce que c'est hyper cher, c'est une centaine d'euros, sur Beauté Privée c'est 20 euros. Et vous avez aussi mon lien de parrainage Beauté Privée qui vous offre 5 euros sur votre première commande. Vous avez aussi le masque de nuit Polar qui est hyper bien, je vous le conseille vivement, il est génial. Et ensuite pour les lèvres je mets toujours la Coco Rich de chez Hello Body qui est aussi pas mal. Puis j'allume ma petite bougie Yankee Candle et je me pose devant la télé, je m'amuse un petit peu avec Birdie, etc. Donc bah voilà pour cette night routine. J'espère en tout cas que votre rentrée va bien se passer. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé si vous rentrez en fac ou au lycée ou autre. J'espère que ça va bien se passer. N'hésitez pas à me dire ça après dans les commentaires ou sur Instagram. J'espère en tout cas que ça se passera bien pour vous, que vous allez passer une très très belle année. Si vous voulez une morning routine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que ces vidéos-là prennent beaucoup beaucoup de temps. Comme ça, je peux voir si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste à gauche, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.